parlais de Pierrot tout à l'heure. Putain, ça, j'ai l'impression que ça fait un bout de temps que je suis pas venu ici. Mais par exemple, je pense que je connais bien vos frémousses maintenant. En fait, on les oublie pas. Finalement, il n'y a que mes textes que j'oublie. Vous, ça va, mais alors moi. Allez, tiens. On va faire un petit retour en arrière. Bon, pas un super retour en arrière, on aura des vieux morceaux tout à l'heure. Là, c'est un morceau qui date du dernier album. Brisez le silence. Un morceau qui s'appelle Cœur d'enfant. Yeah.
s'est soufflé avec le petit jeune derrière. Vous vous trompez sur moi. C'est tout ce que j'ai à dire. We'll be right back.
prochain morceau, j'aurai besoin de vous. Parce qu'on vous entend pas beaucoup, hein. En fait, c'est ça, c'est... Plus j'ai besoin de vous, moins je bosse. Bon, celui-là, on ne le présente même pas, on l'envoie.
On va vous parler de messe noire, histoire de changer un petit peu d'ambiance. Voici Saint d'Esprit! Allez.
Chanter avec nous. Attends, tu déconnes. Et vous savez quoi? Première répétition, un membre masé dans un magasin de jouets. Je vous assure. C'est... Et maintenant, faut que je la ramène à l'état d'après. Alors, je vous disais sur un ancien album, un album gris, je sais pas si vous vous rappelez, il y avait un morceau qui ouvrait l'album, un morceau qui s'appelle Sol. Thank you.
beaucoup. Cité sage. Excalibur, cité sage. Ah, tu pas aujourd'hui? Yeah.
sais qui la voulait, celle-là? Yeah.
Merci. Petite anecdote. Quand Pierre m'a appelé pour chanter dans Blasphème, littéralement le premier truc que je lui ai dit, c'est ok, mais on fait Excalibur. Avant, enfin après, qui êtes-vous monsieur et pourquoi vous me faites des blagues? Oh non! Dieu secte! Nommé! Jéhovah! Un morceau qui s'appelle Vengeance.